Ce camp biblique 2024 a été aussi une école pour la victoire de tous les jeunes face à la tentation. Et l'une des armes principales révélées par le Saint-Esprit au cours de ce camp biblique, c'est la transparence. L'une des vérités qui m'a marquée, c'est la transparence chasse la folie. Parce que lorsqu'on est transparent envers son faiseur et ses dirigeants, ça nous permet d'éviter beaucoup d'erreurs. Et ça nous permet de, comment on dit ça, évoluer dans la marche avec Christ. Le camp biblique m'a fait beaucoup de bien. Surtout si la transparence dont le pasteur a décortiqué. C'est vrai qu'il avait l'habitude de dire que la transparence chasse la folie. Mais pendant qu'il décortiquait, tu comprenais que pour être transparent, ça part de la volonté. La personne elle-même a voulu être transparent. C'est-à-dire que si tu n'as pas la capacité à aller t'ouvrir, le diable, vraiment, d'une part, va se réussir dans tous les pièges dans lesquels il t'a mis. À travers ce camp, j'ai appris beaucoup de choses. Et il y a un message qui m'a vraiment touché. Le message concernant la transparence. À travers ce message, il y a eu beaucoup de délivrances qui se sont opérées dans ma vie ce jour. Gloire à Dieu. Ce qui m'a vraiment touché pendant ce camp, c'était le thème évoqué sur la transparence. Alléluia. J'ai compris que pour fuir les pièges du diable, il faille que nous soyons transparents. Et je me suis appliqué et j'ai pris l'engagement de m'appliquer à une vie de transparence envers mon faiseur de disciples afin de pouvoir fuir les pièges du diable. Oui, la transparence chasse la folie. Une maxime chère au pasteur Meynier qui était l'une des principales leçons avec laquelle les campeurs sont sortis de ce camp biblique national à Tiekwa 2024. Quand tu es tenté, when you are tempted, ouvre-toi à une autorité, vraie autorité spirituelle. Open yourself, go and meet a true spiritual authority. La pensée même que tu vas lui expliquer, le diable a déjà fui. Even the thought that you will explain things to him, the devil is already gone. Là, c'est mon expérience personnelle. This is my personal experience. Et j'ai dit, and I said, la transparence. Transparency chasse la folie. Casts out il est madness. Difficile it's hard de trouver qu'un jeune transparent vit comme un animal. To find a young transparent living like an animal. Ne développez pas une vie de cache-cache. Do not develop a life of hide one another. Que personne ne vous trompe. Let no one deceive la Bible dit confessez vos péchés à vos frères. The Bible says, confess your sins to your brothers. Priez les uns pour les autres. Pray for one another. Si les restitutions transparentes finissent dans l'œuvre, if the transparent restitution ends in our work, le diable va s'installer. The devil will set up. Au petit déjeuner, il est là. At the breakfast, au he is there. Il est là. At the lunch, he is there. Il est là. In the dinner, he is there. Si tu es tenté, if you are tempted, partage avec quelqu'un qui a l'autorité. Go and talk to someone who has authority. Sur ta vie, une autorité morale. Moral authority on your life. Tu dois même chercher quelqu'un. You must even seek someone. À qui tu vas rendre compte, quelqu'un qui craint Dieu et qui peut t'aider. To whom you will give accountancy, someone who can listen to you and can help you. Un jeune homme, a young man, qui résiste, who resists, à l'épreuve de la tentation. To the trials of temptation. Il vit. He lives. C'est lui qui vit. He is the one who lives. Le manque de transparence peut amener un dirigeant de la jeunesse à vivre dans le péché sans dire. The lack of transparency can lead a leader of a youth to live in darkness without telling people. Quand la lumière entre dans ta vie, when the light enters your life, l'autorité t'est donnée. Is given to you. Si tu rentres dans la lumière, if you enter the light, tu entres dans la puissance. You enter power.
Il faudra noter que plusieurs frères et sœurs, de par leur témoignage, ont partagé comment la transparence chasse bel et bien la folie, de par la victoire qu'elle procure face aux grandes tentations.